C'est le plus grand site architectural en bambou du monde. Une école internationale située dans le nord de la Thaïlande, entièrement en bambou, ou presque. Contrairement aux apparences, le bambou n'est pas un arbre. C'est une herbe tout aussi solide que du bois, mais infiniment plus flexible. Ces cathédrales de bambou, la Thaïlande les doit à Markus Roslieb, un architecte autrichien tombé amoureux du bambou pour ses propriétés particulièrement écologiques. La production d'acier et de ciment émet chaque année des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais le bambou, lui, absorbe le CO2 pendant sa croissance. Quand je termine une construction en bambou, j'ai donc réduit le niveau de carbone dans l'atmosphère. Un bâtiment en bambou coûte globalement le même prix qu'un édifice en béton. Et selon Markus Roslieb, il est aussi solide. Quand tu termines la première fixation, tu mets bien la deuxième pour qu'elles se maintiennent mutuellement. Il garantit une durée de vie de ces bâtiments de 50 à 60 ans minimum. Sélectionné pour sa résistance contre les insectes, le matériau est aussi traité contre les incendies. C'est étanche contre la pluie et c'est aussi un isolant thermique naturel contre le soleil, donc l'intérieur reste frais. Le bambou a un énorme potentiel. Nous pensons qu'il est fait pour le 21e siècle. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un truc de hippie. Alors le bambou est-il la promesse d'une architecture plus écologique ? Preuve de sa solidité, ce végétal est utilisé dans les villes asiatiques pour construire d'immenses échafaudages. À la fois léger, souple et résistant, le bambou a longtemps été un matériau bon marché. La Thaïlande est l'un des principaux producteurs et exportateurs de cette herbe qui peut pousser de plus d'un mètre en seulement 24 heures. Regardez la mousse ici, au bout de mon doigt, comparé à la mousse de ce bambou. Les couleurs sont différentes. La première est blanche, l'autre est verte. Celui qui a la couleur verte a 5 ans et il est bien solide. On peut donc l'utiliser, l'autre n'a qu'un an. En Thaïlande, le bambou est désormais au service de projets immobiliers, plus haut de gamme, comme celui-ci. Alors ici, c'est du bambou. La table également. Là, cette cage aux oiseaux est aussi en bambou. Monsieur Tienkat a fait construire il y a 2 ans cette maison 100% bambou. Un rêve pour ce cadre supérieur, synonyme pour lui de reconnexion à la nature. Je ne veux plus habiter dans une maison en béton. Ici, on n'a pas le sentiment de vivre dans une boîte qui nous sépare totalement de l'environnement naturel. La maison leur a coûté 70 000 euros et il a fallu 1 an et demi pour la construire. Aujourd'hui, le bambou gagne ses lettres de noblesse écologique dans tous les domaines. Il peut par exemple remplacer les pailles en plastique, servir de fibres naturelles pour les vêtements et permet de construire des cadres solides pour les vélos. Et dans les restaurants locaux, le bambou se cuisine également. Voici la pousse de bambou qu'on achète fraîche sur les marchés et ça se présente comme ça. Coupé en dés, le bambou va être mélangé à de la sauce de curry vert. Le bambou est très important dans la cuisine thaï. On peut en faire des soupes, différents currys, mais aussi des plats frits avec du porc ou des crevettes et des pousses de bambou. Une texture croquante, un goût légèrement sucré, le bambou séduit les Thaïlandais depuis des générations.